cet épisode, vous allez voir la story de Madeleine Casalis, leader de la cosmétique naturelle 100% made in Africa. En 2010, quand je suis rentré pour des vacances au Cameroun, je me suis rendu compte que il y avait une prolifération des produits dépigmentants sur les marchés. Je m'étais aussi rendu compte qu'on observait qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient importés et les clients avaient vraiment besoin d'une alternative, des produits qui correspondaient à leur peau, qui correspondaient à leurs besoins et qui étaient sains pour leur peau. Donc, d'où m'est venue l'idée. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que ma maman est pharmacienne, donc j'ai eu à observer, elle fait de la pharmacie depuis plus de 35 ans, j'ai eu à observer comment elle conseillait certains produits et certaines lotions artisanales à sa clientèle et qui était très très satisfaite. Donc, ayant un background financier, managérial, ayant constaté ce besoin sur le marché au Cameroun et en Afrique en général, et ayant une expertise du côté de une expertise familiale, je me suis dit que c'était vraiment une opportunité de lancer ce business. Mais également parce que j'avais vraiment le souhait d'apporter ma pierre à l'édifice sur le continent africain. J'avais vraiment besoin de contribuer au développement d'une industrie locale, parce que le Made in Cameroun et le Made in Africa est vraiment très 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 important pour le développement. Je suis Rabia Toumengemani, je travaille pour Madeleine Casalis Group, j'occupe le poste de Relationship Manager. Ça consiste en fait en le relationnel, donc avec nos différents partenaires, que ce soit le cabinet de conseil avec lequel nous travaillons, que ce soit nos partenaires à l'étranger ou dans le pays, les distributeurs avec lesquels nous travaillons, les fournisseurs. Et aussi, je suis l'assistante du directeur général. L'entreprise a grandi progressivement. J'étais seul. Après, j'ai eu un premier recrutement. J'ai eu une commerciale, après, qui est toujours avec moi actuellement. Après, nous étions trois, puis nous sommes passés à cinq. Et aujourd'hui, nous avons atteint un pic de 35 personnes. J'ai surtout rejoint Madeleine Casalis parce que c'était une jeune entreprise. Donc, une start-up, elle débutait. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup d'opportunités à prendre, surtout que sortant de la faculté, on ne connaît pas grand-chose. Donc, j'ai appris le métier dans le tas avec le patron. Nous n'étions pas nombreux à l'époque. Quand je suis entrée chez Madeleine Casalis comme commerciale. Donc, mon travail, c'était de prospecter, de rechercher, d'étendre le portefeuille de l'entreprise, d'amener de nouveaux clients, de nouveaux partenaires. Donc, ce qui était le plus difficile au début, c'est parce que la marque n'était pas connue. Donc, on avait ce problème parce que quand on arrivait, on nous demandait, mais on ne vous connaît pas, on ne vous voit même pas passer à la télé et tout. Donc, c'était ça le gros problème. On n'avait pas vraiment de référence. Mais on avait un plus. Quand je suis arrivée, on avait un plus, c'est qu'on était déjà disponible dans les pharmacies. Et quand ton produit est déjà dans la pharmacie, ça c'est une référence dont les gens se disent non, si c'est vendu à la pharmacie, ça veut dire que ça doit être un bon produit. Aujourd'hui, on a une gamme d'à peu près 25 produits qui passent de lotion, crème, masque, gommage, savon, à base d'ingrédients naturels produits sur le sol camerounais. Donc, les ingrédients, ce sont l'aloe vera, le beurre de karité, le beurre de cacao, mais aussi le chou, le citron, le concombre, l'argile. Nous utilisons vraiment, vraiment tout sur le plan local. Et nous n'imaginons pas toutes les ressources que nous pouvons avoir vraiment en Afrique. Donc la marque s'est développée, nous avons reçu énormément de prix locaux, internationaux. Il faut grandir. Nous avons eu une première levée de fonds en 2015 d'une somme d'à peu près 10 millions de francs CFA qui nous a permis d'acquérir du petit matériel, petite machine et de passer à la phase 2 et de nous structurer un tout petit peu plus. Et nous sommes sur un plan d'investissement sur 2 ans d'à peu près 2 milliards de francs CFA actuellement. Donc nous avons déjà investi
Sur ces 2 milliards, nous avons déjà investi plus de 500 millions de francs CFA. Et nous sommes sur un financement d'un milliard, 1,2 milliard depuis 2017. Et pour ça, on a dû se battre pour lever les fonds, pour monter une unité de production. Et ça a été très, ça n'a pas été simple. C'est-à-dire que de l'achat, que ce soit de l'achat du terrain, que ce soit toutes les péripéties sur le plan administratif, que ce soit sur l'autonomisation énergétique, parce que pour faire tourner une usine comme la nôtre, il faut pouvoir anticiper sur cela. Donc, nous avons réussi à faire tirer le courant jusqu'ici. Nous avons contribué vraiment à améliorer la route et la route qui mène à l'usine, parce que nous sommes en périphérie, vraiment en périphérie de Yaoundé. Donc ce sont de très très lourds investissements, mais qui vont payer parce que ça va aussi apporter du développement local, et que ça va apporter de l'emploi. Et derrière, nous essayons, parce qu'il faut pouvoir avoir par exemple une ligne triphasée pour pouvoir gonfler aussi en capacité et avoir des machines qui tournent vraiment à bonne capacité. Mais aujourd'hui, en tant qu'Africain, il faut pouvoir trouver des solutions alternatives ou des énergies alternatives de manière à ce que on ne soit pas dépendant, parce que c'est un gros problème en Afrique. C'est vraiment le problème d'autonomie énergétique. Mon parcours n'a pas été sans embûches, bien évidemment. Je donne par exemple une anecdote, c'est-à-dire que j'avais des commerciaux sur le terrain. Il est arrivé qu'une de mes commerciales aille dans une pharmacie et pour proposer nos produits. Et le pharmacien lui dit, oui, mais vous devez mettre Made in France parce que voilà, ça passe plus. Et nous avons toujours refusé de nous travestir, de mentir à nos clients. Et nous avons toujours voulu promouvoir le Made in Cameroun. Et il faut apprendre à être fier justement de ce que nous sommes et faire la promotion de nos produits locaux, parce que c'est ça qui contribue réellement au développement. Donc nous n'avons pas lâché l'affaire sur ce plan. Nous essayons toujours de montrer que ce sont des produits qui sont faits localement et que ce sont des produits qui vont permettre à des femmes de s'autonomiser, qui vont permettre de créer des emplois, parce que nous comptons par exemple créer 100 emplois d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, lorsqu'on a une petite entreprise, il faut pouvoir grandir, il faut pouvoir augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande, parce que nos produits sont de plus en plus demandés dans plus d'une douzaine de pays, même si nous distribuons surtout au Cameroun pour l'instant. Mais notre ambition, c'est vraiment, vraiment d'exporter, parce que nous avons une demande très, très, très forte. Et l'entreprise est en train de s'équiper, l'entreprise a recruté, l'entreprise vient de mettre... nous avons eu un chantier d'à peu près un an pour monter notre nouvelle unité de production. Et nous comptons passer à une capacité de 3 millions de produits par an d'ici deux ans. Donc nous sommes en train de nous équiper et renforcer notre staff, parce que l'entreprise Madeline Casalis est vraiment en train de grandir, et nous avons énormément beaucoup d'autres ambitions, notamment dans l'agro-industrie et dans l'industrie de manière générale.